Voilà, merci, bonne soirée. C'est toujours un privilège de venir à Mayence, hein, voilà, avec retrouver quelques vieux amis, quelques condisciples du Vicerro, par exemple. Voilà, bon, tout le monde entend bien. Ça va. Alors, donc l'origine de ces conférences, si vous voulez, ou de cette petit peu réflexion que j'avais fait, c'était pendant le Covid, hein, quand j'avais le temps. Et donc, j'avais fait d'abord une conférence qui est sur les pandémies dans l'histoire, qu'on devait faire d'ailleurs ici, mais on n'a pas pu pour diverses raisons. Et puis je me suis mis, parce qu'on avait le temps, à relire aussi les livres, et à relire des livres donc sur, dans le thème, enfin, en tout cas dans la trame. Hein. Dans la trame, il y a les pandémies. Parce que, évidemment, on confrontait la vision d'écrivain, la fiction, à la réalité, est quelque chose toujours de formidable. Parce que parfois, la fiction permet de mieux comprendre la réalité. Et Dieu sait s'il y a dans la littérature énormément d'ouvrages dont la trame, ou en tout cas le début, le moteur de l'action, est une pandémie. Souvent, elle apparaît presque pas, elle semble presque pas, mais elle est le moteur de l'action. Vous savez que dans un récit, dans une fiction, pour qu'il y ait un récit, il y a une structure de récit qui est toujours la même, hein, que ce soit au cinéma ou dans la littérature. Il y a une situation de départ, et puis quelque chose qui est un moteur de l'action, qui fait que cette situation, elle est perturbée. Et là, la pandémie, souvent, est choisie comme perturbateur d'une situation. Et puis, évidemment, la pandémie se déroule, et bien à la fin, on trouve un équilibre pour une nouvelle situation finale, qui évidemment ne ressemble plus du tout à la situation initiale. Voilà. La structure des récits, c'est ça. Et donc, très souvent, des écrivains de tous âges ont choisi les pandémies comme moteur de leur action, pour faire bouger une situation initiale. En lisant un petit peu une série de textes, j'en ai choisi quelques-uns, il y en avait d'autres, mais ça faisait beaucoup, j'ai pris ce qui me paraissait le plus intéressant. Vous voyez, on peut en gros trouver quelques grands types de manières de traiter la pandémie. Et on le verra. Vous avez par exemple certains auteurs qui vont simplement faire un documentaire. Ils vont dire, voilà ce qui s'est passé. Bien évidemment, ça entraîne une réflexion. Ils décrivent ce qui s'est passé. C'est pas la majorité, mais ça existe. C'est comme si on faisait un documentaire. C'est ils ont été témoins, en général. C'est le cas, par exemple, de Boccaccio, dans le Decameron. Boccaccio, il a vu la pandémie de 1348. Voilà. Mais plus souvent, si vous voulez, la pandémie est traitée comme elle est traitée d'ailleurs dans le quotidien des gens qui sont victimes de la pandémie, comme le résultat d'un désordre cosmique. C'est parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans la société qu'arrive une pandémie. Souvent, évidemment, dans les sociétés très religieuses, c'est le châtiment divin qui frappe l'humanité. Mais on a vu aujourd'hui que ça pouvait être simplement aussi un désordre cosmique lié à la nature dans l'esprit des gens, lié à la perturbation de la nature. Vous voyez ? La pandémie comme signe d'un désordre cosmique général. Voilà. Et là, il faut des boucles émissaires. Puisqu'il y a un désordre dans la société, il y a des responsables. C'est le principe du bouc émissaire. Depuis Abraham, on va sacrifier quelqu'un, là, grâce à Abraham, c'est son fils, mais qui s'est chargé par le mouton, pour sauver tout le monde. Voilà. Quand on regarde ce qui s'est passé, si vous voulez, ça peut donner à réfléchir. Vous avez une autre vision, dans la fiction, toujours. C'est inéluctable. Rien ne pouvait l'empêcher. C'est inéluctable. Et donc, ils sont faits. Et là, tous les hommes ou les femmes ne réagissent pas pareil. Il y a ceux qui se résignent et ceux qui ne se résignent pas. Il y a des gens
qui pousse ces gens à se résigner. Oui, c'est Dieu qui a envoyé, donc baisser la tête et faire tomber. Et puis il y en a qui vont mourir, d'autres qui ne vont pas mourir. C'est comme ça qu'on peut rien faire, c'est écrit. C'est la vie. Ben, c'est inéluctable. Et peut-être le plus souvent quand même, dans la fiction, ce qu'on montre, c'est que la pandémie, c'est comme une lunette, une loupe, pour examiner les travers des sociétés et les travers des hommes et des femmes de ces sociétés. C'est-à-dire, à travers la pandémie, qu'est-ce qu'on voit ? On voit si la société fonctionne dans l'intérêt général ou simplement dans des intérêts très particuliers. Et on voit quoi ? Mais on voit des gens qui ont peur. On voit des gens qui manipulent la peur. On voit des gens qui sont lâches. On voit des gens qui trahissent. On voit des gens qui sont angoissés. Et puis on voit des gens qui luttent. Des lâches ou des héros. Dans la fiction. Et quand on regarde, quand on met en perspective dans l'histoire et dans ce qui s'est passé, la fiction, elle permet très souvent de comprendre beaucoup mieux la réalité. Et vous savez quel est le premier ouvrage référencé qui commence par une pandémie ? Ben c'est l'Iliade. Voilà. Alors, c'est pas ce qu'on retient de l'Iliade. Les interventions, on va le faire avancer. Ah, voilà. Alors j'avais mis quelques exemples de pandémie, on y reviendra. Hein. Voilà. Donc, regardez ça. Alors, j'ai un peu de mal à le faire avancer. Bon, alors je lui ai mis quelques textes, on va passer, hein, si on est un petit peu pressé. C'est l'Iliade. L'Iliade, c'est, bon, il semble avant Jésus-Christ, hein, tout le monde connaît l'Iliade. En général, quand on étudie l'Iliade, on ne fait pas référence à une pandémie. Pourtant, c'est une pandémie qui va déclencher cet épisode. Je résume rapidement. Quand l'Iliade commence, ça fait 10 ans, que les Grecs sont à Troie. Vous savez, ça traduit ça, la colonisation par les Grecs de la Grèce originale, de l'Asie mineure. Ils sont là depuis 10 ans, ils savent pas comment ça va sortir. Quand, à un moment donné, ils sont victimes d'une pandémie. Ça, c'est relativement normal. Les armées, quand ils ne bougent pas pendant longtemps, en général, il y a des épidémies qui se procurent. Et là, l'épidémie, elle est, si vous voulez, on sait d'où elle vient, normalement. Puisqu'en fait, Agamemnon a pris une fille d'un prêtre d'Apollon de Troie. Et Apollon n'est pas content, évidemment. Alors pourquoi ils prenaient les filles ? Parce qu'ils étaient tout seuls, ils avaient laissé leur femme alors, hein, en Grèce. Et donc de temps en temps, ils allaient chercher des captives. Et donc il dit, rendez cette captive, comme on ne la rend pas. Il envoie une bête frapper l'armée athénienne. Et alors on dit des choses intéressantes. C'est le souffle d'Apollon qui amène la pandémie. Ils avaient déjà compris les Grecs. Que c'est par l'air, finalement, quand ils se transmettent à la pandémie. C'est comme un mystère en Jésus-Christ. Hein? C'est le souffle d'Apollon, il fait ça. Alors on rend la captive au prêtre d'Apollon, de Troie, la pandémie s'arrête. Sauf que Apollon, qui est le chef, Agamemnon, pardon, qui est le chef, demande à Achille de lui donner sa captive. Il la prend. Et Achille est en colère. L'Iliade, ça s'appelle la colère d'Achille. Et c'est ça le moteur de l'action de l'Iliade. C'est parce qu'il y a eu cette pandémie qu'il y a eu la colère, et là on voit très bien les travers déjà. Le chef, si vous voulez, Agamemnon, lui il va provoquer quelque part cette pandémie, et il va bénéficier, si vous voulez, de la solution de cette pandémie. Achille refuse de combattre. Et ce qui va s'ensuivre, c'est la fin de la guerre de Troie. À partir de là, il va y avoir la ruse de Ulysse, etc. On va chercher Ulysse, au lieu de se battre uniquement violemment, on va utiliser la ruse. Voilà. Je vais pas vous raconter l'Iliade, mais c'est donc une pandémie donnée ici, cette fois-ci, comme un châtiment à une personne qui devient un châtiment collectif.
c'est intéressant ça aussi. Parce que quand on cherche le bouc émissaire, si vous voulez, on dit c'est lui le coupable, mais le cherchement, il est collectif. N'est-ce pas ? Voilà. Et donc ça, on va le retrouver dans beaucoup de pandémies. Mais il y a, on peut passer quelques éléments pour les montrer si ça va simplement fonctionner. Mais on n'appuie pas là où il faut. Voilà. Donc l'Iliade, vous voyez, ici, quelques éléments, hein, donc c'est captive, sur peut sur les enfants. Vous voyez ici, c'est tous les rois hein, des villes grecques qui se transportent vers l'an 800 en Asie mineure pour cette colonisation. Hein, voilà. Donc ça, vous connaissez, voilà, Agamemnon qui, donc, se met à genoux devant Achille en disant non, mais non, tu ne vas pas te mettre en colère parce que tu es notre meilleur guerrier. Achille refusant de combattre. Voilà ici, avec, avec les captives que vous voyez là, sur, sur ses enfants. Voilà. Donc, deuxième ouvrage majeur qui part d'une pandémie, là encore, sans qu'on s'en rende compte, la pandémie est le moteur de l'action, c'est Oedipe roi de Sophocle. Sophocle, c'est 400 avant Jésus-Christ, hein, 400 ans plus tard. Sophocle, c'est un Athénien, à l'époque de Périclès. L'époque de Périclès, c'est pas neutre. C'est une époque où, avec Périclès, on est en train de mettre à l'œuvre la première démocratie réelle, participative, on pourrait dire, qu'il y aura dans le monde, quelque part. Sauf que c'est un peu une exception à Athènes, cette démocratie. Et bien sûr, il y a une peste qui va se produire là. On le verra tout à l'heure avec Thucydide, mais Sophocle, lui, voit cette peste-là. Et il va l'utiliser dans une tragédie. Oedipe, roi, Oedipe, vous savez, Oedipe, hein, celui du Sphinx. Mais l'histoire d'Oedipe, c'est très complexe. Vous savez, les Grecs, ils avaient inventé ces histoires de famille pour montrer un peu la complexité de la, humaine, de la psychologie humaine. C'est pour ça que les psychanalystes et les psychologues du 19e ont choisi ces héros pour dire le complexe d'Oedipe, le mythe de Sisyphe. Vous voyez ? Et alors, Oedipe, c'est quoi ? Je vais très vite. C'est un enfant donc, qui est laissé tout seul en disant qu'il devait tuer son père et se marier avec sa mère. Finalement, il est récupéré par le berger et il revient, effectivement. Il tue son père, il se marie avec sa mère, il a même quatre enfants avec sa mère. Et là, ça heurte les dieux. Lui, il ne le sait pas. Il ne sait pas que c'était sa mère, si vous voulez. Et donc, Thèbes, dont il est devenu le roi, est frappé par une épidémie. Et comme il est roi, il enquête d'où elle vient cette épidémie. Si les dieux nous ont envoyé une épidémie, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'on a troublé l'ordre cosmique des dieux. Effectivement. Et en enquêtant, il découvre que c'est lui le coupable. Il se ferme les yeux. L'impossibilité de voir, si vous voulez, cette réalité. Allez, voilà. Et ici, la pandémie qui frappe la ville de Thèbes s'arrête. C'est Créon, qui est un oncle, qui lui est beaucoup plus conciliant, qui prend le pouvoir. Et ça, c'est Sophocle qui nous dit, quand on est un roi, un peu genre dictateur, on y avait beaucoup en Grèce à ce moment-là, on risque de causer beaucoup de problèmes à la société. Par contre, Créon, qui lui va gérer d'une manière un peu démocratique, la peste va s'arrêter. Donc vous voyez, la peste ici est manipulée, je dirais, par le Kéden, par Sophocle. Elle est le moteur de l'action, elle est en même temps une tentative d'essayer de développer l'esprit démocratique dans l'ensemble de la Grèce. Et c'est une peste qui va empêcher la démocratie athénienne. Alors je vous dis, Oedipe, vous le savez, les Grecs, c'est intéressant peut-être d'en parler, ils imaginaient comme ça les familles, les grandes familles humaines, dont des parents originaux étaient un dieu. Voilà, et à partir de là, ces grandes familles
qu'on appelle les saprines ou les labdacides, dans le cas de la famille de type. Voilà, bon, je montre ça, mais bon, c'est vite, c'est pas trop le sujet. Ouais, Oedipe et le Sphinx ici, voilà, toujours représenté comme ça. Et cette pièce qui est une très belle pièce de ce Sophocle. Extrêmement intéressant, vous savez que le théâtre, les Grecs l'ont inventé pour une raison très simple. C'est pour essayer de montrer aux hommes quels étaient leurs travers, et de les montrer non pas en les accusant, mais en disant voilà comment vous vous comportez. Et voilà comment on peut essayer de corriger ces travers. Hein, voilà. Donc ici, c'est voilà Sophocle. Et voilà, plus tard, ou à peu près en même temps, un troisième écrivain, qui lui est extrêmement intéressant, puisque c'est sans doute le premier véritable historien. Il s'appelle Thucydide. C'est à la même époque que Sophocle. Thucydide, lui, c'est un. Si vous voulez, c'est un général athénien qui a perdu une guerre, qui a perdu une bataille, et qui est ostracisé. C'est l'ostracisme. Et donc, on l'a pas mis en prison, mais il est mis à l'écart. Il est limogé, on dirait, une guerre. Et en 14, on a dit limogé. Les gars disaient ostracisé. Et il va se mettre à écrire. Il écrit quelque chose qui s'appelle la guerre du Péloponnèse. Alors cette guerre est vraiment intéressante parce qu'elle oppose Sparte à Athènes, une coalition de Sparte, coalition à Athènes, mais elle oppose surtout la démocratie et la dictature. Voilà. Et qui c'est qui gagne, hein? C'est la dictature, c'est Sparte qui gagne. Et pendant cette guerre, Athènes est victime, la vie d'Athènes est victime, est frappée par une peste. Puis Thucydide voit et décrit à quel point que les médecins ont découvert quel était le virus qui avait provoqué cette peste. Il fait le travail d'historien. Lui, il dit voilà comment les gens meurent, voilà ce qui se passe. Et il se rend compte d'une chose extraordinaire, c'est que la peste est arrivée par où? Par la mer, avec les bateaux. Elle a été transportée par des bateaux qui ravitaillent Athènes depuis l'Asie. Et qui arrive à Athènes. Et Thucydide dit, le bateau est arrivé, deux jours après, il y a le premier mort. Vous voyez ? Voilà. Thucydide, donc, c'est le premier historien qui a un regard, non pas, il n'explique pas avec l'intervention divine, il n'explique pas avec la fatalité, il explique, il dit, voilà ce qui s'est passé. Hein ? Et donc, cette guerre du Péloponnèse, c'est aussi, il faudrait en parler, vous voyez, en rouge, vous avez donc les alliés d'Athènes. Et en vert, les alliés de Sparte. Sparte étant le symbole de pouvoir dictatorial, militaro-dictatorial, et Athènes, à ce moment-là, le symbole de pouvoir déjà très démocratique. Hein? Voilà. Donc, ici, bon, voilà, je passe ça un petit peu, cette guerre, elle va occuper toute la mer Égée. Ici, elle est racontée dans cette histoire. Si vous avez l'occasion de le lire, La guerre du Péloponnèse, c'est un très très beau livre. Voilà, on le retrouve là. Sparte va être trop. Beaucoup de Spartiates sont décimés, et en particulier Périclès. Périclès, sa famille, meurt de la peste d'Athènes, donc à cette époque-là. Périclès, voilà, ici, qui combat de la guerre, on peut voir. En grec, ça c'est Thucydide, tel qu'il est représenté là. Voilà, donc vous voyez déjà, chez les Grecs, vous avez des livres majeurs. Hein. De l'histoire de la Grèce. Iliade, vous voyez, les tragiques de Sophocle, Eschyle aussi mettra en scène des pièces avec le moteur de l'action par une pandémie. Et là maintenant, Thucydide, ici. Voilà. Donc, on va passer les siècles maintenant. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pandémie. Hein. Loin de là. Il y a des pandémies. Par exemple, la peste antonine à l'époque des Antonins, les empereurs antonins, une peste qui va probablement être à l'origine hein, du début du déclin de l'Empire romain, sur vers 2e, 3e siècle après Jésus-Christ. Hein, voilà. Il y en a encore d'autres, c'est pas le sujet aujourd'hui, là nous sommes au 14e siècle, à Florence. 14e siècle, 1300. Hein, Boccaccio, on connaît Boccaccio, si vous voulez, Boccaccio c'est un grand écrivain florentin,
c'est une époque où Florence est une ville absolument, disons, une ville resplendissante de richesse, de beauté, etc. Si vous êtes allé à Toscane, hein, voilà. Et donc là, il y a ces concis de Dante, c'est eux qui vont forger la langue italienne, quelque part. Et donc, Florence, comme la plupart des villes de l'Europe occidentale, la plupart même de toute l'Europe occidentale, est frappée en 1348 par ce qui a été sans doute la plus grande épidémie dans l'histoire de l'humanité, puisqu'elle va décimer en quelque temps 50% des populations de l'Europe. Alors, ici, à Bagnos, si vous allez aux archives, vous verrez, si vous voulez, hein, les archives sont remplies, si vous voulez, d'explications de tout le village de Perpignan. Ah, par exemple, à Perpignan, tous les notaires vont mourir. Alors, même pour les notaires, pour. Donc, à partir des années 1350, il y aura d'autres générations de notaires, c'est comme ça que l'on sait, etc. Des grands peintres florentins disparaissent à ce moment-là, etc. La grande peste de 1348. Et pourquoi j'ai eu témoin à Florence. Et donc, il va raconter cette histoire à sa façon. Il va la raconter avec un livre très célèbre, dont on a fait des films, qui s'appelle Le Décaméron. Voilà. Bon, quand je me vois là, le Décaméron, qu'est-ce que c'est que le Décaméron? Ben, le Décaméron, c'est des jeunes Florentins, vous voyez là, richissimes, qui eux vont fuir. Pendant que la populace meurt à Florence, eux, ils vont se réfugier dans les collines au-dessus de Florence. Oui. L'indifférence par rapport à la souffrance des autres, et c'est aussi un des trucs que l'on va voir dans les grandes épidémies. Ils ont les moyens, ils vont fuir. Et ils vont se réfugier dans les collines. Et ils vont, tous les jours, pendant 100 jours, raconter 10 histoires. Liées à la peste ou pas. Vous voyez ? Sauf que, dans tout le premier chapitre, Boccaccio décrit la peste à Florence. Florence, 50% de la population va mourir en 1348-1349. Avec des peintres comme Sioreli, etc. Hein, voilà. Donc, c'est le cas permanent, c'est le cas partout. Cette peste, on la connaît très très bien. Très très bien. Hein, je ne vais pas trop en parler aujourd'hui, mais ce n'est pas le sujet. Vous voyez, dans la littérature, elle est arrivée à Gênes par un bateau qui venait de la ville qui est Odessa maintenant. Et qui venait évidemment d'Asie. Par la route de la soie. Donc, est arrivé à Gênes, on a mis les marins en quarantaine, mais pas les marchandises. Et les marchandises sont parties dans le foire, et le lendemain des foires, la peste apparaissait. Voilà. Hein? Donc, voilà l'histoire de Boccaccio, avec ces jeunes gens qui se racontent des histoires. Et évidemment, cette histoire met à nu les travers de la société florentine. L'excès de richesse. À cette époque-là, les villes italiennes, Venise, Florence, Gênes, etc., sont des villes pises, sont des villes qui concentrent les trois quarts des richesses du monde méditerranéen. Eh bien, ces gens-là, il y a évidemment beaucoup de choses de ça. Chaque histoire met en avant ceci. Donc, vous voyez, ici, la peste est un prétexte presque. En même temps, vous avez une description de la peste, et en même temps, vous avez une mise à nu par la peste des travers de la société florentine. La peinture à Florence, après la sienne, beaucoup de peintres vont mourir. Et la peinture, qui était une peinture très, très gaie, déjà très laïque, si vous voulez, va devenir de nouveau une peinture extrêmement religieuse. Voilà. D'ailleurs, il y a eu le bascule avec cette peste, puisque la religion va être beaucoup plus punitive après 1348. Vous voyez ? Voilà, vous avez des exemples un petit peu partout. Voilà, on avance, oui, toujours dans la même peste de 1348. C'est aussi à Barcelone. Un livre remarquable, traduit en français, hein, vous pouvez. Il y a même une série qui est sortie, qui s'appelle La cathédrale de la mer, en français,
En catalan ou en espagnol, c'est l'église, parce que ce n'est pas une cathédrale, en fait, l'església del mar, si vous voulez. Qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire d'un jeune homme descendu de Sardaigne, qui arrive à Barcelone, dans une Barcelone très dynamique, le 14e, début du 14e siècle. C'est une période de boom économique, de boom démographique, n'est-ce pas? La population a doublé partout. C'est à ce moment-là qu'on construit les cathédrales, par exemple ici, chez nous, etc. Et donc, la peste tombe dans cette société d'opulence. Et là encore, évidemment, on y voit, bien sûr, on y voit évidemment la main de Dieu. Vous voyez ? Et c'est ce que va décrire en partie ce livre. Ce livre, il n'est pas sur la peste, mais il se déroule pendant la peste. C'est l'histoire de la construction de ce qui est sans doute la plus belle église de Barcelone, Santa Maria del Mar, vous voyez, dans le quartier, qui est le quartier del Mar, hein, de la mer, vers, disons, elle se trouve de l'autre côté, assez loin des Rambles, si vous voulez, hein. C'est une église magnifique, qui a été construite par les marins eux-mêmes, par les gens du quartier. Et vous avez, en plein milieu de la construction, survient la peste du 1348, avec Charles Fort, qui fait la recherche du bouc émissaire, ce sera qui là? Devinez, ben les juifs. Parce qu'on est dans une société où il y a beaucoup de juifs. Les juifs seront chassés. On connaît l'histoire, les juifs ici, chassés à Coyour, hein, n'est-ce pas? Donc en 1492, hein, voilà. Mais à ce moment-là, il y a dans la société, au nom des juifs, et des quartiers juifs, qu'on appelle la Catalogne de le Caïn, hein, il y en a sans aucun doute beaucoup à Réunions, et donc on va s'en prendre, évidemment, aux juifs, certains vont être brûlés, et ce personnage, qui s'appelle Bernard Carayon, lui va essayer de négocier la survie de certains juifs, etc. Voilà, et donc on assiste à ça, on assiste aussi à des quartiers, soi-disant des miracles. Vous voyez, par exemple, si vous connaissez Barcelone, Santa Maria del Pi, qui était là, une église qui a été laïcisée, qui est devenue un petit peu plutôt un lieu d'exposition. On dit que là, si vous avez une église là, il y a un miracle, vous n'attraperez pas la peste. Vous voyez, on retrouve dans ce livre, dont ce n'est pas le sujet, tous ces travers des gens. Et vous avez bien sûr ceux qui vont être des semi-héros et ceux qui vont être lâches, qui vont profiter, etc. Ouais, voilà. Donc on va retrouver tout à fait ça. Très beau livre. Santa Maria del Mar, cette magnifique église gothique construite par les gens du quartier ici. Donc on va retrouver à Barcelone. Alors, les traces de cette peste, on la trouve partout. Par exemple, si vous êtes allé à Narbonne, la cathédrale de Narbonne, il y a un quart de la cathédrale qui est construite en 1348. C'est toujours la cathédrale de Narbonne aujourd'hui. On n'a plus jamais été capable de faire le reste. Ouais. Allez-y voir. Vous avez seulement le cœur, qui est déjà immense, à la cathédrale de Narbonne. Et on a. On s'est arrêté pour le reste. La cathédrale de Perpignan, il a fallu 150 ans pour reprendre les travaux, à changer de plan. Ce qui a permis de sauver, on peut dire, l'ancienne église romane à côté, qui était devenue d'ailleurs une usine électrique. Allez, à côté. À Perpignan, vous avez l'ancienne cathédrale romane, c'est pas une cathédrale, c'est une cathédrale éthérienne, l'ancienne église romane, l'église gothique, le cimetière, si vous voulez. Mais l'église romane, elle a été sauvée parce que la cathédrale de Perpignan a été construite de façon beaucoup plus réduite que ce qu'elle voulait être. Voilà. Et d'autres encore, hein. Voilà, donc c'est 1348. Voilà, bon, je vous montre ça parce que c'est. Là, ils l'ont terminé. Hein, ils l'ont terminé avec ceci. Si vous avez la personne, vous allez la voir. Alors, vous voyez la progression de cette pandémie que vous avez là. Hein. Voilà, donc, il va frapper à part ce. Disons, cet espace vert là, que vous avez là, hein, tout l'ensemble de l'Europe occidentale va être frappé. Voilà, voilà comment elle s'est propagée. Cette pandémie. Et elle est racontée dans ce livre, dans d'autres aussi, hein, bien sûr. Mais dans celui-là, c'est très intéressant.
un petit peu plus tard, là on passe au XVIIe siècle, où La Fontaine va mettre en scène une pandémie, va se servir d'une pandémie pour mettre en scène des critiques de la société, évidemment, à partir d'un module fable qui s'appelle Les animaux malades de la peste. Vous voyez ? Peut-être vous l'avez étudié à l'école. Alors, je vais vous Les animaux malades de la peste. Voilà, donc voilà ce poème, on va commencer là. Un mal qui répand la terreur, mal que le ciel en sa fureur inventa pour punir les crimes de la terre. Et là, vous voyez, vous avez, bien sûr, chez La Fontaine, c'est une critique, on le verra à la fin. C'est-à-dire cette idée qui est communément admise encore au XVIIe siècle, que les pandémies ou les catastrophes, c'est un châtiment divin pour des hommes et des femmes qui se sont mal comportés, vous voyez. Et La Fontaine va commencer, quelque part, à émettre une critique en sourire, parce que ce n'était pas le moment de le faire, et quelque part déjà, il est voltairien là-dedans, La Fontaine. Puisque Voltaire, 100 ans plus tard, va tordre complètement le cou à ça, avec justement une critique là-dessus à partir du tremblement de terre de l'Isle. Que dit La Fontaine ? Il dit voilà, inventa pour punir les crimes de la terre, capable d'enrichir un jour la terre, c'est-à-dire le royaume des morts, hein, faisait aux animaux la guerre. Ils n'auraient pas tous, mais tous étaient frappés. Voilà. Les animaux, évidemment, chaque animal sera symbolique d'un type d'homme. Et le lion, c'est le roi, bien sûr. Le renard, c'est le jésuite, n'est-ce pas ? Qui va, voilà, l'ours, c'est le courtisan, oui, oui. Le loup, c'est le chat. Le lâche, le crapule. Vous voyez ? Et puis il y a un âne. Et tout le monde dit quel est le crime qu'il a fait. Bon, ça, c'est intéressant parce que, en fait, il est le ciel frapperait tout le monde pour un crime qu'une personne a commis. La responsabilité du crime d'une personne rejaillit sur la communauté. C'est ce que le XVIIIe siècle va condamner. Les fautes, c'est individuel. Là, La Fontaine aussi va le condamner à sa façon. Bien avant Voltaire. Et il dit donc, voilà, alors tout le monde, évidemment, on fait venir le lion dit moi, j'ai mangé des moutons, mais bon, c'est pas grave. Hein, voilà. Donc j'ai mangé des moutons, c'est pas grave. Les autres disent j'ai mangé des choses, mais c'est pas grave. Et puis arrive l'âne. L'âne, l'animal paisible, c'est de là que vient l'expression arrose sur le bondé. Il ne sait pas trop se défendre l'âne, il est gentil, et on lui dit, voyez, il dit je bondis le pré. Il a lui, il a mangé de l'herbe, l'âne. Et tout le monde dit, mais c'est toi le coupable. Vous voyez ? Et donc, à ces mots, on crie à haut sur le bondi, le loup, quelque peu clair, prouva par sa rente qu'il fallait dévouer ce bondi d'animal, ce pré, ce malheur, devenait tout le mal. Sa pécanie fut jugée incapable, manger la mort d'autrui, quel crime abominable. Rien que la mort n'était capable d'expier son forfait. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de groupe vous rendront blanc ou noir. Donc, ce qui est critiqué, c'est la justice ici, de Louis XIV, bien sûr. C'est la justice régalienne. Mais ça va beaucoup plus loin. Puisque quand on regarde cette femme, ce que voulait corriger, je dirais, le malheur, ces dieux, en envoyant la peste, voulait corriger les travers des hommes. Puisqu'on vous dit, vous ne vous comportez pas bien, vous serez puni. Et à la fin, au lieu de corriger ces travers, c'est exacerbé par l'injustice. On tue quelqu'un qui n'y est pour rien. Et ça, c'est une critique radicale chez La Fontaine de cette histoire de la peste associée à une punition divine ou à quelque chose d'inéluctable. Puisque, au lieu de corriger les travers humains,
On a exacerbé l'injustice et on a provoqué la mort. Ça, ça peut réfléchir, si vous voulez. Vous voyez ? Chaque fois qu'on veut corriger le travers humain, est-ce que parfois on ne les exacerbe pas ? Si on veut les corriger par la violence, est-ce qu'on ne les exacerbe pas ? Voilà. La question, elle est posée ici, de façon extrêmement subtile, par la Fontaine. La Fontaine, on le croit léger. Pas du tout. Hein ? Voilà. Donc, si vous voulez, vous avez ici cette très belle fable des animaux malades de la peste, donc avec des illustrations de Gustave Doré, bien sûr, hein, qui sont connues. Si on continue, hein, toujours, vous connaissez Daniel Defoe, c'est celui qui a écrit Les Sans Prisonniers. Mais Daniel Defoe, là, on est au 19e, il est tombé dans les archives sur des récits d'une peste en Angleterre, à Londres. En 1632, je crois. Vous voyez ? Des pestes, il y en a tout comme. Hein. Et ça, quelque part, si vous voulez, nous, à un moment donné, on a cru que ça nous est arrivé qu'à nous. Je pense que là, déjà, c'était une grosse erreur, hein, si vous voulez. Voilà. Mais et il va, lui, à partir des archives, raconter ce qui s'est passé en 1632. Et pareil, qu'est-ce qu'on voit ? Et on voit que les riches essaient de partir. Si vous voulez ailleurs, on voit qu'ils achètent tout un tas de choses, on voit qu'on manipule la peur, on voit qu'on manipule la peur à partir de châtiments divers, on voit qu'il y a des lâches, on voit qu'il y a des... On voit exactement ce qu'il y a. Et lui, il ne fait que traduire ce que les archives disent de cette... Il ne l'a pas vu, lui. Il fait, si vous voulez, un reportage a posteriori. Voilà, hein. C'est un livre intéressant. Voilà. Je ne le connaissais pas, je l'ai lu à ce moment-là, et avec beaucoup de plaisir. Et il est traduit en français. Ah voilà, on se rapproche de chez nous. Hein. Là, on va tomber dans quelque chose un peu différent, mais en tout cas, exprimé différemment. C'est Giono. Giono, vous savez qu'il a écrit un cycle, hein, ce livre fait partie d'un cycle, le cycle du Sard. Hein, donc, dans le roman fou, il y a 8 ou 9 livres comme ça de Giono. C'est Giono, c'est un écrivain qui pendant longtemps est considéré par les Parisiens, parce qu'il n'était pas allé à Paris, comme l'écrivain provençal, etc. Avec une forme de mépris hautain, qui est souvent courant en France. Donné par du centre, il n'y a rien, pas grand-chose. Et Giono, lui, qu'est-ce qui le caractérise ? Au départ, il n'était pas destiné à être écrivain. C'est la guerre de 14 qui le rend écrivain. Pourquoi ? Parce que Giraud va observer, il va être évidemment mobilisé, il va observer toute la guerre, il va en revenir avec une idée, si vous voulez, pratiquement suicidaire, une idée d'une noirceur totale du monde, et il va essayer de la traduire dans une sorte de saga de 8 ou 9 romans. Où apparaît souvent ce personnage du hussard sur le toit. Mais c'est dans celui-là que la peste va jouer un rôle, la peste, une épidémie, je dirais, va jouer un rôle important. Et cette histoire de noirceur de la guerre, indépendamment et malheureusement du fait qu'il a écrit des écrits antisémites intolérables, mais Louis Ferdinand Céline, c'est, si vous voulez savoir ce qui s'est passé pendant la Première Guerre mondiale, il faut lire Voyage au bout de la nuit. Ouais. Voilà. Donc, pas oublier quand même qui était Céline, par contre, ce livre-là, il est remarquable. Le Hussard sur le toit ne parle pas de la Première Guerre mondiale, bien sûr. Il parle, si vous voulez, il essaie de mettre Giono, de montrer comment la noirceur qu'il a connue, la noirceur du monde, peut être corrigée, quelque part. Peut être en tout cas adoucie. Et il le fait dans ce livre magnifique, Les Hussards sur le toit, je vais vous donner très rapidement un résumé, il en a été fait un film magnifique. Hein. Le Hussard, c'est l'étranger, il vient du Piémont. Encore qu'à cette époque, ces régions-là, c'est pas tout à fait la France. Hein. Ça fait partie du royaume de Piémont-Savoie. C'est en 1870 que ça va devenir la France. Ils parlent français, mais ils sont dans le royaume de Piémont-Savoie. Hein.
Et c'est quand il y a eu l'unité d'Italie que Nice et ces régions-là vont devenir français. Voilà. On rentrait dans l'espace français. Donc le hussard, il fuit. Il fuit le Piémont parce qu'au cours d'une guerre, il a tué quelqu'un et on le recherche. Et il arrive donc dans cette zone de vision, donc du côté de Manosque, de Sisteron, et il tombe sur une épidémie de choléra. Et celle-là bien réelle. Puisque vous savez que le choléra, il est arrivé d'Inde par la colonisation anglaise. Et le choléra, c'était endémique en Inde, ça l'est encore. Et le choléra, si vous voulez, on a mis longtemps à comprendre que c'était par l'eau que se propageait le choléra. Et donc vous avez eu à Marseille les ports commerciaux. Et dans la province, mais aussi à Paris. Vous avez par exemple Casimir Perrier, premier ministre de Louis-Philippe, meurt du choléra. Oui, ça frappe tout le monde. Et donc, le choléra frappe la province, hein, la haute province. Journaux, évidemment, on ne l'a pas connu, hein, mais les récits existent. Et donc, le hussard va traverser ce territoire en pleine période de la crise de l'épidémie du choléra, où les gens meurent d'atroces souffrances. Et donc, tout de suite, quand il arrive, comme c'est l'étranger, c'est lui le responsable. On va l'accuser. C'est toi qui as abandonné les frontières. C'est toi qui viens de. Qui est étranger, qui a amené le choléra. Et il n'a donc d'autre solution que de monter sur les toits, c'est-à-dire de s'élever. Et il s'appelle Angelo. C'est-à-dire qu'il va faire preuve. Giono va lui donner toutes les qualités de quelqu'un qui lutte contre cette noirceur. Il s'est élevé au-dessus de tout le monde. Il n'a pas peur du choléra. Il n'a pas peur de l'épidémie. Il n'a pas peur de soigner. Il n'a pas peur, si vous voulez, de. Il ne se fait pas manipuler par la peur. Il n'a pas peut-être d'autres solutions puisqu'il est recherché. Et évidemment, il sauve une dame mariée avec qui il restera l'amour platonique jusqu'à la fin du roman, qui est Pauline de Lius. Et là encore, Giono trace le portrait de quelqu'un qui, fuyant la lâcheté, l'indifférence, la passivité, la peur, la manipulation de la peur, refuse tout ça. Et se met à résister contre cette lanceur. Et c'est finalement ces gens-là qui sauvent le monde. Puisque Pauline attrape le choléra et que, grâce à l'amour de Giono, ça c'est la fiction, grâce au soin qu'il lui porte, elle va en guérir. C'est un roman absolument magnifique où la noirceur des hommes qui avait été celle de la guerre de 14 va ressortir partout. Vous avez des lâches, le film lui-même est très noir. Vous avez, à tout moment, si vous voulez, des caricatures de ces gens lâches, passifs, passifs, très passifs, cherchant toujours le mot qui me sert. C'est l'autre qui est responsable. Et puis, il y a quelques personnages comme ça. Une religieuse qui enterre les morts, ça ne sert à rien, mais elle les enterre, elle va mourir. Mais elle fait ce travail. Vous voyez ? J'ai montré le sinistre sur le monde, en sortant de la Première Guerre mondiale, dit que le monde pourrait être sauvé par des gens comme le hussard. Celui qui sert, Angelo, l'ange, celui qui est au-dessus de tout ça, et celui qui, sans faiblir, va lutter simplement contre ça, en refusant de retomber au milieu de tout le monde. Livre absolument remarquable que j'ai lu, que j'ai relu, à l'image de au moment de la pandémie, et vous savez, il y a tellement de personnages qu'on pouvait reconnaître à la télévision. Je ne donnerai pas les noms, hein. Voilà, n'est-ce pas? Mais ils y sont, j'ai dit, moi. Ils ont sûrement jamais lu, parce qu'ils auraient eu honte d'être à la télévision. Voilà, donc, le hussard sur le toit, magnifique livre. Alors, sur le choléra, bien sûr, le choléra, terrible, terrible. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a commencé à faire les pluies artésiennes. Sinon, avant, les gens du vélo, je veux dire. Ça peut paraître. Et
C'est ce que disait Pasteur. Quand Pasteur dit le verre est la plus saine et la plus hygiénique des poissons, c'est ça. Il ne conseille pas tout le monde de se péter les matins, si vous voulez. Hein. Mais il dit, si vous voulez du verre, vous n'attrapez pas le choléra. Voilà ce qu'il dit. Hein. Donc, quelque part ici, voilà, lui, ça, sur le droit, voilà un ancien. Bien sûr, et puis, il y a des scènes énormes, hein, Daumier qui montre ce que c'était que le choléra. Et voilà, donc les photos du film, ici, choléra, les gens qui vont se cacher. Et le parcours, hein, donc du hussard à partir d'Aix, Manon, Pérus, Sisteron, Gap, Théus, c'est le pays de Pauline de Théus, et Hermine. Voilà. Un petit livre, c'est une nouvelle, hein, très particulière. J'ai lu, moins intéressant que Géolo, mais je voulais quand même vous en parler. Charles London, vous savez qui c'est? Roland. Hein, c'est normalement un auteur d'aventure américaine, vous voyez, dans le Grand Nord, avec les chiens, le gros blanc, etc., magnifique et tout. C'est plutôt ça. Et là, il met complètement autre chose, puisqu'il fait un roman d'anticipation apocalyptique. Vous voyez ? C'est-à-dire, il dit, un jour frappe, le monde est frappé par une peste écarlate. Pourquoi écarlate ? Parce que les gens deviennent très rouges et meurent. Et tout le monde meurt, sauf une poignée d'hommes. Cette poignée d'hommes se retrouve sans rien, sans culture, sans passé, sans histoire, sans lieu où reconnaissent un petit peu leur vie, sans rien. Et ils se comportent finalement un petit peu comme s'ils étaient des animaux pour les jours du monde. Et miraculeusement, on ne sait pourquoi, il y en a un qui a survécu, qui est un professeur dans une université, un vieux professeur, qui débarque avec plein de livres. Il les enferme dans une grotte. Il a les clés de l'alphabet et il essaie de dire à tous ces gens que l'on peut apprendre, que l'on peut avoir un passé, que l'on peut avoir une histoire. Là, c'est intéressant le lien avec l'histoire, les gens qui n'ont pas d'histoire. N'est-ce pas? Les gens qui n'ont pas de passé. Et il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas, mais à la fin, il tourne la clé de l'alphabet avant de mourir à quelqu'un. Et en disant peut-être un jour, quelqu'un va être intéressé. Alors ce roman, c'est autre chose, c'est le manque de description de la peste. Mais il montre la peste comme une possibilité, finalement, d'avoir raison du monde. Une des raisons de l'apocalypse. Vous voyez ? Et le résultat qui est la perte de toute l'humanité. Donc c'est un petit roman, c'est une nouvelle, qui s'appelle La peste écarlate. Voilà, Jack London. Fugitive américain, hein, qui était assez dilettante, c'est pour ça que ce livre est très curieux. Alors celui-là, il est intéressant aussi. Hein. Celui-là, je ne le connaissais pas. Philippe Roth, c'est un écrivain américain aussi, qui est connu en face de là. Et ce roman, il s'appelle Némésis. Alors, Némésis, qui est Némésis déjà? Némésis, c'est la déesse, c'est fille de la nuit. C'est grec, bien sûr. Et c'est la déesse de la vengeance divine contre les hommes qui se sont pris pour des dieux. C'est-à-dire des hommes qui n'acceptent pas leur statut d'homme, qui avait perdu la télé, se prennent pour des dieux. C'est-à-dire pontifient en disant « Moi j'ai la solution. » Le lendemain, il y en a une autre. Vous voyez ? Voilà. Et les Grecs, ils avaient prévu ça. Ils appelaient ça, les Grecs, l'hubris. C'est-à-dire l'excès et l'outrance. Vous savez, il y a eu de grandes victimes de ça. Prométhée, qui s'est pris pour un dieu en volant le feu au dieu. Il a été puni par Némésis. Sisyphe, il doit pousser son rocher infiniment tantale, parce qu'il y a de l'eau qui passe tout le temps, il ne peut pas voir. Mais ce sont des gens qui, par leur orgueil, par leur excès de puissance,
par leur excès de pouvoir, par leur intolérance, se sont pris pour des dieux. Et Némésis est chargé de la vengeance divine. C'est une déesse grecque de Némésis. Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Eh bien, ça vient faire que ça se passe dans les années 40, de la Deuxième Guerre mondiale, à New York. Vous avez un jeune homme qui est l'Américain type grand, blond, magnifique, musclé, qui lui s'épasse tellement son tempérament. Mais la société américaine, ses parents, leur disent tu dois être un héros. Tu dois aller combattre là-bas en Normandie et te revenir comme un héros. Et il y a cru. Sauf qu'il ne peut pas y aller parce qu'il est mieux. Et donc il en conçoit une sorte de frustration. Ouais. Et on le faisait faire quelque chose, on lui fait s'occuper d'enfants. Il faut bien, puisqu'il ne va pas à la guerre, il va s'occuper d'enfants. Au moment où l'Europe est frappée par une épidémie de poliomyélite. Alors, la poliomyélite, vous savez, elle a duré jusqu'il n'y a pas si longtemps que ça. Vous voyez, dans les villages, on a tous connu des gens qui avaient eu la poliomyélite, si vous voulez, hein, de notre génération, ou des générations un peu antérieures. Voilà. C'est la vaccination même qui a empêché la poliomyélite. Là aussi, si vous voulez, quand les boucs émissaires, c'était les gens qui vaccinaient. Chacun pense ce qu'il veut, mais. Hein? Donc, si vous voulez, vous avez. Et donc, il est complètement abasourdi parce que deux héros, ils deviennent finalement réduits, quoi. Il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Et en même temps, il s'enfuit. Mais il attrape quand même la poliomyélite. Hein? Et 20 ans plus tard, il rencontre un de ses enfants, lui aussi frappé par la poliomyélite. Et à ce moment-là, il réfléchit. Et que signifie ça? Ça signifie en fait que l'excès, la tentative de vouloir être un héros Némésis. La tentative de vouloir être plus que les autres. La tentative, c'est le système américain, soit meilleur que tout le monde. Il y a une critique là, à travers ça, de la société américaine. Soit le héros de l'Amérique, n'est-ce pas? C'est-à-dire, oublie que tu es un homme. Et si tu oublies que tu es un homme, il va se passer des choses comme ça. Voilà. Roman très intéressant sur une critique de la société américaine qu'on peut encore observer maintenant. Et quand vous avez les discours de Trump, c'est ça, c'est l'hubris, c'est l'excès, c'est l'outrance. C'est exactement ça, c'est l'outrance. Ouais. L'outrance, c'est l'arrogance, c'est l'excès de pouvoir. Mais bon, on en retrouve un peu, hein, qu'on voit de certaines rues quand même, hein. Bah, on va pas nommer les rues, mais voilà. Donc, vous voyez, voilà, ce livre très, très, très intéressant, très déroutant, hein. Voilà, moi c'est un livre qui m'a bougé, nous avons. Némésis. Philippe Roth est connu, hein, c'est pas quelqu'un qui est connu. Alors, j'ai mis ça parce qu'on soignait les gens qui avaient la polémique là-dedans. On les mettait là-dedans, on les serrait. Pour essayer qu'il marche droit, vous voyez. C'était quand même des méthodes particulières. Je vous ai dit, un écrivain catalan, très célèbre, Joseph Pla, un homme de la Bourdane, hein, il était le Pâle Fougé. Très belle œuvre de Joseph Pla, un traducteur français. Hein. Quatrain gris, c'est le cahier gris. Pourquoi? Parce que lui, c'est un témoignage aussi. C'est quelqu'un qui fait des études de médecine à Barcelone. Au moment où survient, en 1918, la grippe dite espagnole. Vous savez pourquoi on l'appelait espagnole, la grippe? C'était ni une grippe, ni espagnole. C'est parce que, comme c'était la guerre, tous les pays en guerre n'ont rien dit. Il ne se passait rien. La grippe, quelle grippe? Vous regardez les morts de 1918, dans les tranchées, morts. Une maladie des poumons, morts, etc. Vous voyez? Dans les villages, en gros, par exemple, j'ai calculé à Pizia, il y a eu une cinquantaine de morts de la grippe espagnole. C'est un village qui avait 1500 habitants, en 2 ans. Vous voyez? Pourquoi espagnol? Parce que les espagnols, ils ont dit oui, il y a un problème, ils n'étaient pas dans la guerre.
Donc ils ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? On va essayer de comprendre. Donc les journaux en parlaient. Vous voyez? Et c'est pour ça qu'on appelle la Bible Saint-Germain. Qui c'est qui l'a amené? Les soldats américains. N'est-ce pas? Ils sont arrivés, contaminés eux-mêmes par les ouvriers chinois qui faisaient les lignes de chemin de fer aux États-Unis. Voilà. Hein? Donc, si vous voulez. Alors, le roi des Louis, c'est intéressant parce que. On peut le trouver en pièce de théâtre, c'est lui, Joseph Pla, plus vieux. Hein. Et, il y a des pages magnifiques sur la Bouddha. Hein. Voilà, donc en même temps, vous voyez très bien les traditions que l'on a ici, c'était les mêmes, racontées par Joseph Pla, c'est très bien. Et il dit ceci, regardez, en mars, le 8 mars donc, de 1918, n'est-ce pas, parce qu'il y avait tellement de grippe, hein, vous connaissez le montagne de grippe, on est parti. On est parti de l'université. Et ça a changé sa vie. Voilà. Hein? Il va raconter ses livres à Palafrugell, Jean Guimard, etc., dans ce coin de l'Inglis. Et donc, lui, qui devait être docteur, probablement c'est une famille riche de Palafrugell, il va devenir journaliste. Voilà. Il va se mettre à raconter, devenir un très grand journaliste, un très grand écrivain, qui a longtemps été correspondant des journaux espagnols en France, etc. Hein, voilà, donc c'est un peu anecdotique, mais c'est très aussi très, très intéressant. Il fallait bien un prix Nobel là-dedans. Il y en a deux. Il y aura Camus, évidemment. Le Clésion, prix Nobel en 2008. Le Clésion, il fait ce livre, c'est pas le plus connu de Le Clésion, mais c'est un livre très intéressant. Qu'est-ce qui se passe dans ce livre? Eh bien, vous avez des gens qui partent à l'île Maurice, faire du tourisme. En bateau. Et dans le bateau, une épidémie de variole touche à peu près tout le monde. Donc ils s'arrêtent dans une île à côté de Zanzibar et ils mettent en quarantaine. Voilà, ils mettent en quarantaine. Il y a deux frères qui sont les héros principaux. L'un est docteur, l'autre il est dilettante un peu. Voilà. Et cet enfermement, cette sorte d'exil, si vous voulez, va provoquer des réactions complètement différentes chez l'un et chez l'autre. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas le docteur qui a agi le mieux. Le docteur, il est saisi par la peur, l'impossibilité de soigner les gens. Et non seulement il est enfermé dans un enfermement physique, mais il s'enferme dans un enfermement mental, dans lequel il ne voit de solution que dans un monde du passé, corseté, fermé, soumis. Et son frère, lui, profite de cette nature qu'il y a autour dans cette île pour au contraire sortir de ce monde et s'ouvrir au monde nouveau de la nature. Il tombe amoureux d'une indienne qui était sur le bateau, si vous voulez. Et les deux représentent à la fois pour Le Clésion, c'est un des thèmes favoris de Le Clésion, l'ancien monde corseté de l'Europe, un peu uniforme, au nouveau monde que soit de Le Clésion, c'est un grand voyageur, Le Clésion, il habitait au Mexique, il habitait au Maroc, il habitait un petit peu partout, si vous voulez, un monde métissé, ouvert, où le temps, il ne se calcule pas en horaire précis, mais simplement en façon de voir la nature, de se nourrir de la nature, de se, je dirais, de se transformer avec un monde pour créer un monde nouveau. C'est le frère, celui qui s'appelle Léon, qui a ça, et l'autre qui s'appelle Jacques. Finalement, l'enfermement mental conduit presque à une sorte de folie. Oui. Puisqu'on veut revenir en arrière dans un monde que l'épidémie finalement condamne au profit d'un monde beaucoup plus ouvert. Ça, ce sont un prétexte aussi, la quarantaine, pour Le Clésion. Mais la quarantaine va révéler un petit peu le véritable caractère de ces gens-là. L'un est sans doute le plus à même d'être ouvert, va s'enfermer mentalement. Et ce que critique Le Clésion là, c'est l'enfermement mental, qui a été quand même quelque chose d'assez fréquent
dans l'épidémie du Covid. Mais au-delà de l'enfermement à la maison, l'enfermement mental. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est ce qu'on trouble. Et pour terminer, je termine, on va terminer. Attendez, c'est pas là. Je me trompe de bouton. La quarantaine. Voilà le plaisir. Évidemment, on ne peut pas terminer sans parler de Camus, bien sûr. Hein. Voilà. Alors, Camus, évidemment, Camus, c'est l'auteur de La Peste. Ça, il faut le relire, ce livre. Franchement, moi, je l'aime beaucoup lu, je l'ai relu là, et puis je le relis de temps en temps parce qu'il est d'une richesse. Hein. Alors, que fait Camus ? Camus, il écrit pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, il faut savoir que Camus, parmi les grandes personnes de l'intelligentsia française de cette époque-là, c'est à peu près le seul qui a été résistant. Sartre. Même Picasso, il a fait bouger un mouton, mais c'est resté à Paris. Breton, où il est parti d'ailleurs, si vous voulez. La plupart n'ont pas collaboré, certains oui, ceux-là non, mais n'ont pas été résistants. Camus, il a pris véritablement des risques. Il a été véritablement résistant. Et donc, quelque part, bien sûr, la peste, c'est bien sûr une épidémie. Mais c'est aussi une manière de lutter contre la peste brune, hein. Contre les épidémies politiques, quand des gens vont prendre le pouvoir et soumettre les autres. Comment on réagit à un cas comme ça? Le roman sortira juste après la guerre, en 1946 ou 1947, et c'est un roman qui est d'une pertinence à tout moment extraordinaire. On va le voir. Si vous voulez, petit à petit, je vous lirai pour terminer quelques extraits, en tout cas les extraits de la conclusion. Voilà la Mère Camus. Si vous voulez, bon, je dire de mots de Camus. Hein. Camus, c'est quelqu'un qui sort de la misère. Son père, sa mère est très misérable, mais elle parle pas français, elle est des bagarres. Mais son père, lui, il est français, il va mourir au début de la guerre de 14, alors que Camus a 2 ans, donc il ne le connaît pas. Il sera élevé par un oncle voltairien à Alger, et c'est l'école publique qui va le sortir. D'ailleurs, il a des hommages à ses professeurs, si vous voulez. Il devient celui, quand même, qui, parti de rien, il va imaginer quelque part des choses pour accompagner les gens. Des procédés pour accompagner ces gens-là. Et au bout d'un moment, il va se faire, si vous voulez, un petit peu presque haïr par ceux qui voudraient des méthodes philosophiques un petit peu fermées, quoi. Lui, il dit que chaque fois que vous avez des concepts philosophiques fermés, vous enfermez l'ongle là-dedans. C'est-à-dire que lui, il met dans le même panier tous les enfermements politiques, qu'ils soient de droite ou de gauche. Voyez, et ça va lui poser énormément de problèmes avec Sartre en particulier. Surtout à l'époque où l'intelligentsia française voyait le régime soviétique comme le début de l'âge d'or de l'humanité. Vous voyez, voilà. Donc, ceci dit, la peste rentre dans ce travail. Camus part du principe que si le monde est absurde, c'est-à-dire que c'est très difficile de trouver le sens. Si on n'est pas si en dehors de Dieu, quoi. Il dit Camus. Il dit finalement le sens, on va le trouver dans l'action. Parce que le monde vaut la peine d'agir sur le monde. C'est Sisyphe. C'est absurde ce que fait Sisyphe, monter le Camus. Mais il le fait. Et ces hommes-là, il va le mettre en scène dans la peste, évidemment. C'est là. Alors, il le situe à Rouen. Qui est en fait simplement un cadre, ça, il aurait pu choisir, Alger ou n'importe quelle autre ville, hein, il choisit Rouen parce qu'il connaît. Voilà. Et vous avez un certain nombre de personnages, dont on pourra un petit peu parler, pas forcément longuement, je vous incite à aller le lire. Celui qui représente l'homme révolté de Camus, c'est ce qu'il appelle l'homme révolté, la révolte. Je sais que le monde est absurde, je ne veux pas lui trouver un sens, mais je sais que le fait de vivre
je sais que la beauté du monde me conduit à une certaine révolte. Cette révolte, c'est l'action. Je me révolte dont nous sommes, dit-il. Un homme, ça s'empêche. On ne peut pas répondre à une injustice par une autre injustice. On ne peut pas, ça sort de ça, de nos jours, on ne peut pas répondre à une violence par une autre violence. Un homme, ça s'empêche. Et même si je sais que ça n'a pas de sens, comme Sisyphe, je roule ma pierre. Et c'est ça qui va me donner ma grandeur d'homme. Voilà, ça c'est un. Et cet homme-là, c'est Bernard Rieux. Voilà, c'est un médecin. C'est un médecin, on saura à la fin que c'est lui qui a raconté l'histoire. Mais on ne sait pas, c'est un narrateur inconnu. Il dit un beau jour, dans la ville de Rouen, dans tel quartier, on n'a vu que deux ou trois rats, il est mort. Ça commence comme ça. Et puis 20, puis 30, puis les hommes meurent. Et bien évidemment, les personnages, ce sont ces personnages qu'il va regarder à la loupe pour montrer les travers du genre humain. Et il va dire quand même à la fin, dans l'homme, il a plus de choses à admirer qu'à mépriser. Il y a toujours, comme un géo, il y a toujours quelqu'un, il y a toujours des hommes qui vont permettre à l'ensemble de se sauver. C'est la résistance. C'est une poignée d'hommes en France qui a redonné l'honneur au pays. C'est pas autant qu'ils se sont mis dans les jours, c'est une poignée d'hommes qui est partout. Il y a eu beaucoup d'indifférents, beaucoup de passifs, des collaborateurs, peut-être plus que des résistants d'ailleurs. Après, on a arrangé la sauce, hein. Il faut bien faire société. Mais historiquement, c'est une bonne idée. Ben, ces hommes-là, comme il y a un scène comme lui. Voilà. Bernard Rieux, lui, il ne sait pas s'il va réussir. Il ne sait pas, il ne sait pas. Mais il agit. Il agit. Et il raconte cette action. Voilà. Et puis, vous avez des gens qui sont les gens de tous les jours, qui sont là souvent par hasard. Vous avez Tarou, par exemple. C'est un homme jeune, étranger à la ville. Il est fils d'un procureur, donc il est riche. Voilà. Et puis quand même aussi, lui aussi, au point de départ, il va se mettre à travailler, il va mourir. Ça, c'est le côté fatal. Pourquoi il meurt? Ben non, c'est parce que lui meurt, il y a des gens qui meurent. Là aussi, il y a la résistance. Pourquoi certains sont morts? Pourquoi certains ont été déportés? Pourquoi pas? Voilà. Hein? Donc, à côté de ça, vous avez Rambert, personnage intéressant, parce que Rambert, lui, il est là par hasard. C'est le journaliste envoyé par Paris. Pas du tout pour la peste. Il est là, il a une fiancée à Paris, il est jeune, il le rêve pour retrouver sa fiancée, et au départ, il dit je m'en vais, il essaye partout, il paye les gens pour le faire se sortir, puisqu'il y a quand même une mise à quarantaine de la vie. Hein. Il paye les gens. Et puis au moment, il dit ah non, j'ai trop honte de partir et de les laisser comme ça. Vous voyez ? Il pouvait partir. Il ne s'échappe pas, il reste là. Puis vous savez, bien sûr, le truand, quoi. Joseph Bautard, c'est un des profiteurs. Celui-là, c'est le truand. Il doit aller en prison, du coup, il s'échappe, mais au lieu de trouver une rédaction, il continue, si vous voulez, à sa lâcheté et son absence d'investissement pour essayer une lutte commune. Et puis, il y a le père Panou, un jésuite, très intelligent, mais qui lui dit prêche, si vous voulez, la résignation. Il dit, c'est Dieu qui nous a envoyé ça, on va attendre, qu'est-ce qu'on peut faire? Et puis en voyant des enfants mourir, il comprend que ce n'est pas la solution. Et il va aussi lui se mettre, si vous voulez, en cause par rapport à sa propre idéologie. Voilà. Et donc il va mourir lui aussi, en allant sauver les gens. Vous avez un juge qui au départ aussi se montre implacable. Et puis quand il voit un enfant mourir, ben lui aussi il va, voilà. Et c'est pour ça qu'à la fin, Camus dira, il y a beaucoup plus à admirer dans l'homme qu'à mépriser. Et ce sont ces hommes-là, comme Angelo, comme Bernard Rieux, qui finalement sont des gens qui donnent le ton de l'humanité. Les passifs,
ceux qui s'enferment dans une seule idéologie, et ceux qui biaisent, ceux qui manipulent le labeur, ben, il faut faire avec, mais c'est pas cela qui tire le monde vers l'autre. On peut se demander souvent si c'est pas cela qui passe à la télé maintenant. Vous voyez ? Parce qu'il est plus facile d'arriver avec des choses très claires comme ça. Je vous dis ça, c'est comme ça. Qui pourrait même dire le contraire. On l'a vu. Et pour terminer, vous pourriez en dire beaucoup plus, mais comme on est un petit peu limité, pour terminer, je vais vous lire la conclusion de la peste. Que je vous invite d'ailleurs à relire, hein, si vous le souhaitez. Rieux décida alors de rédiger le récit qui s'achève ici pour ne pas être de ceux qui se taisent, pour témoigner en faveur de ces pestiférés, pour laisser du moins un souvenir de l'injustice et de la violence qui leur avait été faite. Là, évidemment, il y a aussi un rapport avec la Deuxième Guerre mondiale, n'est-ce pas, hein? Qui avait été faite. Et pour dire simplement ce qu'on apprend au milieu des fléaux, qu'il y a dans les hommes plus de choses à admirer que de choses à mépriser. Mais il savait cependant que cette chronique ne pouvait pas être celle de la victoire définitive. Les bestes, les malheurs, c'est jamais fini. Cette chronique ne peut pas être celle de la victoire définitive. La lucidité de l'homme camusien, de celui qui agit, qui sait que c'est jamais gagné. Et il dit, elle ne pouvait être que le témoignage de ce qu'il avait fallu accomplir et que sans doute devrait accomplir encore contre la terreur et son arme inlassable. Malgré leur déchirement personnel, tous les hommes qui ne pouvant être décents et refusant d'admettre le fléau, s'efforçaient cependant d'être des médecins. Cette phrase, c'est Némésis. Les hommes qui refusant d'être ne sont pas des saints, mais on refuse d'admettre le fléau et on essaye de devenir des médecins. Des gens qui prétendaient trouver la solution comme une espèce de grâce divine, il y avait un pareil. Vous voyez, ça c'est tout à fait Camus. Hein, ce qu'on apprend au milieu des fléaux, qu'il y a dans les hommes plus de choses à admirer que de choses à mépriser, et puis plus loin donc, ce que je viens de vous lire là, si je le retrouve, qu'il ne pouvant être des saints et refusant d'admettre les fléaux, s'efforce cependant d'être des médecins. Écoutant les cris d'allégresse qui montaient de cette ville, Rieux se souvenait que cette allégresse était toujours menacée. Car il savait ce que cette foule en joie ignorait et qu'on peut lire dans les livres. L'ignorance, c'est nous qui en sommes responsables. Parce que si on veut, on peut lire dans les livres. Ce que dit Camus, c'est une évidence. Lui, le premier, qui fils de rien a tout appris, quelque part. Voilà. Que cette foule en joie ignorée et conclure dans les livres que le bacille de la peste ne meurt ni ne disparaît jamais. Qu'il peut rester pendant des dizaines d'années endormi dans les meubles et le linge, qu'il attend patiemment dans les chambres les caves, les mâles, les mouchoirs et les paperasses, et que peut-être le jour viendrait où, pour le malheur et l'enseignement des hommes, la peste réveillerait ses rats et les enverrait mourir dans une cité heureuse. Voilà. Alors, si vous voulez, ceci est valable évidemment pour les pandémies, mais ça c'est normal, la pandémie étant
quelque chose de presque d'inhérent au genre humain, au vivant. Mais c'est valable, bien sûr, pour les pestes brunes, pour les dictatures. Actuellement, qu'est-ce que c'est qu'elle va en dans le monde? Les régimes démocratiques ou les dictateurs? Et bien voilà. Et bien c'est exactement ce que dit Camus, n'est-ce pas? Le bacille de. Et que le bacille de la peste ne meurt et ne disparaît jamais, qu'il peut rester pendant des dizaines d'années, c'était le cas, endormi dans les meubles et le linge, qu'il attend impatiemment dans les chambres, les caves, les malles, les mouchoirs et les paperasses. Et que peut-être le jour viendrait où, pour le malheur et l'enseignement des hommes, la peste réveillerait ses bras et les enverrait mourir dans une cité heureuse. Voilà. Comme quoi la fiction, vous voyez parfois, comme dit Camus, elle va nous enseigner. Voilà. Donc je vous remercie de m'avoir écouté.